Louer des bateaux pour transporter les Algériens de France? Fares Ramani, député de l'émigration, a indiqué au journal arabophone qu'il a rencontré le chef de l'État lors de sa visite en Italie. Le député a affirmé qu'il a parlé longuement avec Abdelmadjid Tebboune sur plusieurs questions qui préoccupent la diaspora algérienne à l'étranger. La question principale concerne le transport qui représente l'une des plus grandes préoccupations des Algériens à l'étranger. Fares Ramani a soutenu les dernières décisions du chef de l'État concernant l'augmentation du nombre de vols et de dessertes maritimes depuis et vers l'Algérie, la baisse des prix des billets ainsi que l'achat de 15 avions pour Air Algérie. Il a également indiqué qu'il a insisté sur la nécessité de faciliter aux Algériens le retour au pays et cela même s'il faut prévoir la location de nouveaux bateaux. Le député a également préconisé de mettre en place des lignes directes, notamment à partir des États-Unis d'Amérique, et la mise en place d'une desserte maritime à partir de l'Italie et la réouverture de la ligne aérienne entre Milan et Annaba. De son côté, le député Toufik Kedim a insisté sur la nécessité de renforcer le transport maritime entre l'Algérie et la France pour répondre à la demande qui dépasse de loin l'offre. Il a affirmé que 5 dessertes par semaine avec Marseille et une avec Alicante sont loin de répondre à la demande des Algériens à l'étranger.